Well, Bach had the reputation in his time, in fact still does, of having written enormously difficult music. He himself described his music as incomparably more difficult than those than that of his contemporaries. And it was. When he writes music for voices or even for wind instruments, he almost forgets that these players and singers have to breathe at times. He simply forgets about it, and he has an unbroken, continuous musical line for these performers and forgets about the practical necessity. C'est quoi être prête pour chanter Brecht? Ben, c'est difficile à expliquer. C'est à la fois être prêt techniquement, mais être prêt dans sa tête aussi, dans son corps. C'est une musique assez, assez complexe à chanter parce que la voix n'est pas traitée comme une voix, elle est traitée comme un instrument. Mmh. Donc par exemple, dans Bach, on ne sait jamais où respirer. Et l'idéal serait de ne pas respirer. Oui. Donc il faut, trouver un moyen que la respiration s'intègre complètement dans le flux de la musique. Il faut du métier.
Thank you.
Bach, et quand vous voyez comment Bach écrit pour les chanteurs, pauvres chanteurs, c'est très difficile, on ne sait jamais où respirer, et rien n'est fait pour leur rendre la tâche facile ou les mettre particulièrement en valeur. C'est sûrement le côté peut-être un peu protestant de Bach qui s'exprime là. Il n'y a aucune vanité dans la virtuosité de Bach, alors que peut-être, je dis bien peut-être, dans l'opéra qui a commencé avec Handel et qui ensuite s'est prolongé, il y avait quand même cette intention de faire briller,